Salut la team, j'espère que vous allez bien. Salut à tous. Nouveau road, nouveau jour. Fort time aujourd'hui, vous avez un time cap de 15 minutes. On a un road un petit peu spécial. Vous avez 300 DU et 50 burpees à effectuer le plus rapidement possible. Tu as une petite consigne juste en dessous. Tu partitionnes comme tu veux. Tu peux très bien faire 300 DU puis 50 burpees ou tu peux éventuellement faire 60 DU, 10 burpees, 5 fois pour arriver au nombre de reps indiqué, ou faire encore moins, 30 DU, 5 burpees, enfin voilà, tu fais ce que tu veux, ou tu peux même faire ça dans un ordre complètement aléatoire à partir du moment où tu comptes et que tu t'arrêtes bien sur le nombre de reps qui est indiqué. Le skill, 3 rounds, 10 windmills, donc le moulin à vent avec une charge, 20 dead bugs, donc les petits exercices de renfo pour les abdos, et une minute de arch hold, donc la position Superman. Pour l'échauffement, ça va être assez rapide. On commence par 50 jumping jacks et on enchaîne avec 5 push-up to downward dog. Donc en fait, c'est quasiment l'inverse du inchworm, donc le ver de terre. Tu commences par une pompe et puis tu repousses chien tête en bas en maintenant quelques secondes. On ne l'a pas indiqué, mais tu maintiens quelques secondes pour étirer la chaîne postérieure. Voilà. Prêt, Julien? Allez, parti. Allez, go. On met un petit chronomètre comme d'habitude, c'est juste histoire d'avoir un petit temps. Allez, 50 gigi. Les mains au-dessus de la tête, on écarte et resserre les pieds en synchro avec les bras. Toujours grand là-dessus, abdos et fessiers serrés. Et bien sûr, on respire. Perso, l'expiration, je la place quand j'ouvre les pieds et que je monte les bras. Là, il y a une expiration et une inspiration quand je rapproche les mains des cuisses et les deux pieds ensemble. C'est pas comme ça que tu vas respirer. Si. Et sinon, tu recommences. C'est pas comme ça que je comptais en fait, c'est pour ça que je sais plus du tout combien j'en ai fait. Ah, d'accord. Excusez-le hein, s'il a pas fait le bon nombre de reps. Ah, bah moi, après 10, je sais plus. Donc, push-up, donc on exécute une pompe, pointe de pied ou à genoux. Et sans bouger les mains, on va repousser la tête vers les pieds. Vous devez garder les jambes tendues ou le plus tendues possible et essayer de poser les talons au sol, ce qui normalement est assez difficile. Prenez le temps qui vous convient pour vous étirer dans cette position downward dog, chien tête en bas. Allez, c'est reparti, deuxième tour. On a trois tours sur cet échauffement. J'ai une image qui vient de me traverser la tête, c'est que en fait, les chiens font vraiment ça. Mais les chats aussi. Alors je ne sais pas pourquoi on appelle ça downward dog. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. T'as compté? Je sais plus, tu me fais marrer. Je sais plus comment je me suis. 1, 2, 3. Bon, c'est pas grave parce que toujours plus. Toujours plus, mais j'espère que t'en as pas fait moins. Non, je ne pensais pas. Sinon, je serais capable de t'éditer un t-shirt toujours moins. Le t-shirt de la honte. Voilà. Une expiration hein, lorsqu'on approche la tête des pieds. Quand on s'étire, de toute manière, il faut toujours chercher à expirer lorsqu'on va allonger les muscles, forcer un peu pour l'étirement. Voilà. C'est ce qu'on peut apprendre en yoga.
Moi, j'ai appris ça au Kung Fu, puisqu'il y a pas mal d'étirements aussi. Yes. Dernier tour. Ça va nettement plus vite. Moi, j'ai trouvé le temps plus long comme je parlais pas. Impeccable. Donc, les trois tours de l'échauffement sont terminés. On va pouvoir attaquer le skill. Donc d'abord, on s'hydrate. C'est important de s'hydrater. Ah que oui. J'en vois déjà les bénéfices. Donc on commence par le windmill. On a besoin du coup d'un petit haltère ou une bouteille d'eau. Ah, Julien passe à l'haltère aujourd'hui. Oh, progresserait-il en mobilité? Donc le windmill, le moulin à vent. Julien va nous montrer rapidement le mouvement. Donc on a le poids au-dessus de la tête et on va venir s'incliner d'un côté pour diriger sa main vers le pied. Il faut garder les deux jambes tendues et on se déhanche légèrement. Vous voyez, il se déhanche du côté droit alors que sa main va du côté gauche. Voilà, impeccable. Ce qu'il faut, c'est garder le bras en l'air, toujours vertical, puisque normalement vous avez un poids dans la main. Si le bras n'est plus droit, alors le poids va être beaucoup plus difficile à porter. Deuxième exercice, le dead bug. On est sur le dos. Ce n'est pas un V-up alterné, puisqu'on ne décolle pas la partie, on ne décolle pas le dos, tout simplement. On garde le dos au sol, on peut juste garder les épaules décollées, bras et jambes opposées. Voilà. Alors que sur un V-up, pour information, on vient en équilibre sur les fesses. Voilà, on termine dans cette position. C'est pas le même exercice. Dernier exercice, le arch hold. Donc on se met à plat ventre. Et on maintient comme ceci, en extension complète. Ah, fessiers serrés, les jambes et genoux ne touchent pas le sol. Les épaules et les mains non plus. On regarde toujours vers le sol en rentrant le menton et on vole comme Superman. Ok, allons-y. J'en mets un petit chrono parce qu'on va en avoir besoin pour le Superman. Une minute. Sinon, il risque de faire toujours plus. Je voulais cacher le poids parce que c'était ridicule. Non, 4 kilos, c'est pareil. Là, on a 10 répétitions de chaque côté. Inutile d'aller vite là-dessus. Essayez de ressentir les différentes parties qui bossent, notamment les obliques. Un peu les fessiers et les lombaires. Et les épaules. Ça, c'est un bon exercice pour la mobilité. Petit clin d'œil à Cyril. On pourrait en citer d'autres, c'est vrai, Cyril. L'autre personne que je pourrais citer, c'est moi. J'en ai bien besoin. Surtout à gauche. À droite, j'ai pas de soucis.
Bien. On enchaîne avec le dead bug, l'insecte mort. Et du coup, il est pas mort vu qu'il bouge encore les pattes. Démarre bras au-dessus de la tête. Voilà. Là. Ouais. Yes. On termine par une minute. Superman, 3, 2, 1, tchac. Nickel, on est parti tout pile à 30. Ça m'évitera de me tromper et de lui mettre du rab. Ça m'arrange aussi. Je rappelle que sur cette position, on est actif en permanence. On ne se contente pas juste de décoller un petit peu et de mettre un minimum de tension histoire de décoller. Si tu peux mettre plus de tension, contracter plus fort tes muscles, vas-y. C'est tout bénef pour toi. 30 secondes. Imagine quand tu as mis un poids sur les épaules et que tu dois résister plus fort. Du coup, tu dois augmenter la contraction musculaire. 20 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, ok. On repart sur le windmill, le moulin à vent. Qu'est-ce que c'est lourd. Voilà. Pareil, on ne se contente pas de maintenir le bras au-dessus de la tête. Si on peut le pousser le plus haut possible, gagner 1 ou 2 cm en engageant un peu plus les épaules. Faites-le. Impeccable. Allez, le dead bug. Épaule décollée. Si jamais vous creusez le dos, n'hésitez pas à le faire jambes fléchies. Ramenez simplement le genou vers vous. Ça vous évitera peut-être de creuser le dos. Allez, le Superman, 3, 2, 1, top. Il n'y a même pas eu le temps de prendre sa petite pause. Et on est à 6 minutes tout pile, c'était trop parfait. Je suis exploité. Même pas une seconde de répit, c'est abusé.
30 secondes. Pensez à respirer, hein, même si vous êtes contracté de partout. 5, 3, 2, 1, relâchez. Nickel. Il reste un petit tour. Petit jour. En contrôle. Soyez stable en permanence. Cet exercice, il peut faire sourire. Pour autant, il fait vraiment bien bosser vos épaules. Il ne fait pas sourire, moi. Yes. Tu vas être bien chaud pour les burpees. Cool. Et les DU surtout. Yes. Ça y est. Je sais pas. Je sais pas non plus. Je croyais. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, là il me donne le sourire cet exercice. Il vaut tard que jamais. Yes. La dernière minute de renfo là-dessus. Ensuite, vous pourrez vous hydrater, prendre une petite pause et vous préparer pour le WOD. Concentrez-vous sur votre corps. Vous aurez le temps de réfléchir à votre stratégie après ça. Secondes. Allez, on tire loin devant. Gagnez un petit centimètre ou deux. 10 secondes. Cinq, trois, deux, un. Relâche. Bien. Bien, bien, bien. Difficile. J'ai connu plus facile. Ouais. Ah ouais. On a parfois l'impression que les petits WOD poids de corps maison, c'est easy, mais non, non. Ça ne l'est pas. On se donne à fond. Vous aussi, je le sais. Donc maintenant, on s'hydrate. Ensuite, on réfléchit. Les deux mouvements sont très simples. Double saut de corde. Burpees, la vie, la base. Rien de spécial à redire, hormis que sur les burpees, tu peux toujours les adapter en down and up, avec ou sans impulsion. Les doubles, tu peux, si tu fais des simples et que tu les maîtrises bien, tu peux en faire le double. D'accord ? Ça peut être un peu plus intéressant. Si tu n'arrives pas du tout, même la corde à sauter, ou si à la maison, tu ne peux pas faire de double,
remplace par des jumping jacks. Et éventuellement, pour ceux qui ont vraiment des poids très très légers, et là je parle de petites bouteilles de 50 centilitres, une bouteille dans chaque main pour faire les jumping jacks, ça peut être intéressant pour travailler quand même. Parce que au moins la corde, enfin la corde, tu peux louper les sauts de corde sur tous les DU. Et on sait que ça perd pas mal de temps. Par contre, les jumping jacks, j'ai jamais vu quelqu'un louper un jumping jacks. Donc voilà, si tu as envie de te rajouter un petit peu, mais voilà, pas plus de 50 centilitres pour les petites bouteilles. Après, ça fait lourd et vous risquez de vous faire mal sur les mouvements et surtout avec autant de répétitions. Voilà, donc stratégie, on est en mode cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 300 DU et 50 burpees. Tu peux faire 60 DU et 10 burpees. Ça me semble être un bon compromis. Si tu es plutôt moyen au niveau des DU et que tous les 10, généralement, tu te la prends dans les pieds, pars plutôt sur, par exemple comme Julien, pars peut-être plutôt sur 30 DU, 5 burpees. Ouais, ça fait 10 tours, mais ça passe plutôt vite. Et même si tu te la prends dans les pieds pour 30 répétitions, j'ose espérer que tu arriveras quand même à faire des séries de 7-8 et au moins tu passes rapidement à autre chose et notamment 5 burpees. Voilà. Voilà. Moi perso, si j'avais à le faire, perso, hein, je ne ferais pas 300 DU plus 50 burpees. Je perdrais trop de temps sur mes burpees, il ne serait pas assez bon à la fin. Éventuellement, je partirais peut-être sur 100 DU, 20 burpees, 100 DU, 20 burpees, 100 DU, 10 burpees. Éventuellement. Et encore que je pourrais peut-être même adapter encore les DU pour faire un peu plus au début, un peu moins au milieu et encore un peu moins à la fin. Mais c'est pas, moi perso, ce n'est pas sur les DU, c'est pas là que ça me poserait problème. Voilà. Julien, tu vas partir sur quoi? 35, c'est bien ça. 35, ok. La seule contrainte dans ce WOD, c'est quand tu es tout seul, bah, de réussir à compter, surtout quand tu pars sur un nombre de reps un peu anarchique. Voilà. Il faut pouvoir toujours garder en tête là où tu en es. Après, il n'y a que deux mouvements, donc ça peut quand même le faire. Mais en tout cas, pour Julien, je suis là pour compter. À la maison, tu te débrouilles, tu attrapes ton enfant, tu attrapes ton compagnon, ta compagne, et puis pour une fois, il va t'aider. C'est juste que je n'ai pas trop confiance en toi. C'est vrai, et tu as bien raison. Surtout si je me mets à parler d'autre chose, je risque de zapper. Vous avez 15 minutes pour finir ce WOD. C'était déjà écrit 15 minutes. Yeah. On part dans 10. Hop là. Déjà ? Eh oui, trop parler peut tuer. 3, 2, 1, allez-y. Ce que j'ai pas dit, c'est que plus on fait de séries, plus on perd de temps en transition. Donc là, avec autant de séries, 10 séries, il faut faire un minimum de transition. Allez. Permettre de compter comme ça parce que Julien fait un nombre de reps défini, il n'est pas en mode anarchie. Et c'est... il a fait 2 tours sur 10. Allez. Agir.
3 tours. On est à 2 minutes 15. Quatre tours. Agir. Cinq tours. Agir. Allez, plus que la moitié. Cool. Trop facile. Zéro. Ça que je dise. Dix. Agir. Allez, il faut vite repartir sur la corde. Sinon, on a vite fait le temps de perdre 10-15 secondes. Six tours effectués. Zéro. Et oui. Cinq. Sept tours effectués. Plus que trois tours. Agir. Trois. 113, pardon. J'avais dit que je te faisais pas confiance. Allez. Ah,
8 tours. Allez, plus que 2 tours. Et je viens. Allez, une belle série. Vas-y. Dernier tour. Allez, viens. 1. Allez, 5 burpees, go, go, go. Dernier. Yes, 9-0-4. Bien joué. Hein. Bon. Facile. En tout cas, on constate qu'il s'améliore sur les DU. C'est une bonne chose. Mais peut mieux faire encore. Oh oui, beaucoup plus. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur les DU. Au top du top, il ferait 30 DU à chaque fois sans se la prendre dans les pieds. T'en as pas fait une, je crois. Pas une seule série de brocade. Un 17-13, 13-17, ouais. Au moins deux fois. Je regarderai le replay. Ouais. Il doit y avoir deux ou trois séries où tu t'es pris qu'une fois, mais c'est tout. Je pense que c'est plutôt 3-4. Si tu n'as pas fini à la maison, il t'a 5 minutes pour terminer. Puisque le time cap était de 15 minutes. Donc on laisse tourner le chrono. Julien, tu t'es hydraté. Oui. Important l'hydratation. Je me suis même essuyé sur le canapé. Parfait, c'est bien plus facile à laver. Donc là, on va en profiter pour s'étirer un tout petit peu. On va se mettre sur le dos, tout simplement. On va ramener les genoux contre la poitrine. Et on va commencer par basculer d'avant en arrière. Donc à chaque fois, on va revenir en position assise. Les talons vont toucher le sol et on repart en arrière. Tranquillement, là, comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. Voilà. En même temps, vous récupérez votre souffle. Si tu n'as pas terminé le WOD, tu termines. Julien nous a fait un bon temps là-dessus. 9 minutes 04, ça c'est pas mal du tout. 4 secondes de trop. 4 secondes de trop. Pour les warriors et les pros des DU et burpees, je pense qu'on peut aller tirer sur les 6 minutes, peut-être moins même, moins de 6 minutes. Voilà, mais pour ça, il faut vraiment maîtriser la corde et avoir un bon cardio. On n'a pas ce souci-là avec les jumping jacks, mais n'hésitez pas, comme je vous ai proposé, à rajouter de la difficulté. On reste sur le dos, on garde les genoux proches de la poitrine. Et cette fois, au lieu de basculer d'avant en arrière, on va basculer de gauche à droite, sans tomber sur le côté. Voilà, une petite inclinaison de 5-10 degrés, juste pour écraser les lombaires. C'est une forme d'automassage. Parce que Julien voudrait bien que je le masse, mais bon, je préfère qu'il se masse tout seul avec le sol. Et il
grimace, un mal, Jean-Luc. Je fais du bruit. Voilà. Allez, il reste 2 minutes 30 pour terminer le WOD. Si tu n'as pas encore terminé, peut-être que tu t'es mis le défi de faire tout en DU, alors que c'est pas encore ton fort. Mais voilà, c'est une bonne occasion de les bosser. Ok, donc là, si vous êtes toujours aux étirements, on va garder un genou proche de la poitrine et on va relâcher l'autre jambe et la tendre. Voilà, orteil vers soi. Avec les deux mains, on vient tirer le genou, le tibia contre la poitrine. Si vous avez terminé en même temps que Julien, normalement votre cœur est redescendu quasiment à la normale. Change de jambe, il reste 1:30 avant la fin du time cap, enfin avant le time cap. Dernière minute, ok, on ramène les deux genoux contre la poitrine, les bras de part et d'autre, on pose les genoux d'un côté et on tourne la tête de l'autre. Les deux épaules restent au sol, on va faire ça 30 secondes de chaque côté, un tout petit peu moins, jusqu'à la fin du WOD. Ça permet de détendre le dos. En gardant les deux mains au sol, on change, on inverse. Il reste 20 secondes pour terminer le WOD. Allez, accroche-toi. Cinq, quatre, trois, deux, un. Yes! Quoi qu'il arrive, c'est terminé. J'espère que tu as pu finir à temps. Si ce n'est pas le cas, note le nombre de répétitions que tu as effectuées. Et peut-être dans quelques semaines, dans un mois, si tu t'es amélioré sur les DU, sur ton cardio, n'hésite pas à retenter ce WOD. Ça peut être un bon défi pour ceux qui ont du mal sur les burpees, sur les DU, pardon. C'est un WOD qui est assez simple à mettre en place et c'est assez facile de t'évaluer. En plus, tu as une partie stratégie, donc la stratégie elle est vraiment en fonction de si tu te connais ou pas. Si tu te connais bien, la stratégie, quel que soit ton niveau, elle sera adaptée. Peut-être qu'il faut faire encore moins de DU. On n'a pas proposé cette option, mais il y a peut-être l'option 50 tours de 6 DU et un burpee par exemple. Ça, c'est une option comme une autre, voilà. Donc n'hésitez pas à la faire si c'est celle qui vous convient. Julien, rien à ajouter. Parfait. Bonne journée à tous et n'oubliez pas que la force du tigre soit avec vous. Yeah!